Et puis tu touches la deuxième. Quand tu fais. Tu vois? Et puis là tu pars sur le ré. Ok, ça va? Ok. On va prendre le chant de Bendika, qui a été reprise par Sandrine Nangas. Le chant est très beau, extrêmement joli. L'original en fait. Mais la version de Sandrine, on a quelque chose. Il y a une cadence là-dedans. Il y a une recherche. Et puis elle a une très jolie voix. Mais avant de commencer, deux choses. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Appuie sur la cloche de notification aussi pour être informé chaque fois que je poste une vidéo. Ici, sur cette chaîne, on apprend la musique africaine. Il y a beaucoup de ressources. Fais un tour, tu vas voir. Il y a certainement un chant que tu aimes et que tu peux apprendre. Donc après, tu t'abonnes. Et puis, deuxièmement, si tu veux me soutenir, il y a aussi mon. Il y a un PayPal qui est en bas. Si tu peux, si tu veux aussi. Ok, donc là, on commence. On est dans la tonalité de sol. Ok. Donc, pour le chant, tu vas placer ton sol un peu comme à l'européenne, c'est-à-dire. Tu vois, donc tu places le majeur là, l'index là, et puis l'annuaire auriculaire sur la deuxième et la troisième corde. Sur la première et la deuxième corde. Donc tu as ça en fait. Et puis tu prépares ta main droite comme ça. Ton pouce va s'occuper de la première, de la sixième et la cinquième, la cinquième et la quatrième corde. Et puis tu as tes trois doigts ici, index, majeur, annulaire qui font les deux premières cordes. Ok. Donc au départ, on a l'identité du chant qui est un très bel arrangement. Il fait ça. Tu vois? Donc tu prends le sol ici. Ensuite, tu prends le fa. Et tu prends le mi et tu reviens sur le sol. Pendant ce temps, ta main, tes doigts s'y piquent en descendant. Touche les cordes en, comme ça. Enfin, je fais au ralenti comme ça, tu vois. Donc. Tu vois, non? Tu vois, non? Donc. Donc là, je fais. Là, je touche ici, là, le si. Non, tu vois. La première, la corde ici, les deux premières cordes vont rester là comme ça. À 95% du temps. Donc, ils vont rester là. Tu fais. Tu vois, là, tu touches le ré là. Le si. Et tu touches le do. Ça, c'est un truc que tu n'es pas obligé de faire, mais je trouve que ça donne beaucoup de couleur au chant. Et il ne fait pas ça non plus dans l'original. Donc là, tu vas toucher. En fait, c'est ça. Donc, ton auriculaire est ici, sur la troisième case. Après, tu le retires en mettant ton index sur la deuxième case. Après, tu le retires en mettant ton. En jouant la corde à vide, et puis tu touches la deuxième. Quand tu fais. Tu vois? Non.
Et puis là, tu pars sur le ré. Puis tu fais du autant. Chaque fois que tu reviens sur le sol. Donc, je fais encore lentement. Donc tu vas rester un petit temps sur le ré. Ok, donc là on est là sur le refrain. Bien là tu joues en fait le do. Ton truc reste, tes deux doigts s'y restent. Ensuite tu joues le ré. Le ré classique. Et puis tu pars sur le mi. Mais moi j'aime faire le mi ajouté de 9, donc je touche en fait, je fais ça. Voilà, donc je tire la troisième corde ici jusqu'à la quatrième case. Donc. Là tu reviens sur le sol, donc tu fais encore do. Tu passes encore ton si. Ça aussi c'est un très bon trick, petit mouvement qu'il a fait là. Donc tu fais ton sol, après tu fais ça. Il y a plusieurs chants qui utilisent ça, genre j'utilise ça très fréquemment. Donc tu as tes deux notes ici sur la deuxième et la troisième corde, et tu as ton pouce ici sur la deuxième case, première corde, sixième corde. Donc, c'est un accord de passage en fait. Donc. Et puis tu pars sur le mi majeur, septième. Donc, simplement comme ça, ton majeur ici sur la deuxième case, cinquième corde, et puis ton index sur la première case, troisième cordon. Tu dois pouvoir faire ça dans le tendon. Et puis tu reviens. En fait, tu as ce cercle là, donc tu as le do, le ré, le mi mineur. Ensuite, tu as encore ton do, sur le sol. Après, tu as. Et puis, tout le temps du chant. C'est ça en fait. Il n'y a plus rien d'autre. Ok. Donc voilà, c'est le chant. Si tu as des questions, écris en commentaire. Tu as un commentaire, écris en commentaire aussi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Appuie sur la cloche aussi. Appuie sur un like. Partage si tu trouves que cette chant, cette vidéo, si on a la valeur. On va dire quoi? On va dire partage la connaissance. Ok?